Voyageurs et voyageuses, bienvenue dans votre live. Aujourd'hui, un corps, une fois. Je vais croire que c'est une malédiction. C'est un corps, un cryo, qui a été donc choisi. Pourquoi? Et d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que ce n'est pas son histoire qui a été choisie, mais bien ses répliques. À croire que son histoire est peut-être nulle. Je ne sais pas. Il n'y a eu que deux votes, je crois, pour son histoire, alors qu'il y a eu le double pour ses répliques. Donc, je lirai les répliques de Mika aujourd'hui. On verra comment ce sera. Et ensuite, je vais donc lire Fables de Fontaine, qui ne sont pas donc les fables de La Fontaine, bien sûr. C'est donc uniquement les fables du pays Fontaine. J'adore la manière dont ils ont choisi le nom de ce livre. Ça fait. Pour nous, Français, ça nous fait tous penser au même auteur, Jean de La Fontaine. Et ensuite, donc, bah, pour les quiz, on verra. Hein. Et pour la partie 2, pareil. Voilà. Alors, on va donc commencer. Voilà ce cher Mika. Alors, donc, les répliques de Mika. Jeune chevalier né dans une famille ordinaire, il occupe le poste d'arpenteur dans son unité. C'est un personnage au caractère discret et prudent. Première rencontre. Mika, arpenteur de première ligne de l'unité de reconnaissance de l'ordre de Favenus, au rapport. C'est un honneur pour moi de combattre à vos côtés. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai de mon mieux pour vous donner une idée claire de la route à prendre et vous avertir des dangers. Bavardage, cible. Je ferai mieux de me tenir prêt rapidement. La prochaine mission pourrait commencer à tout moment. Rapport de situation. Confirmation de la position actuelle. Mesure de la distance jusqu'à la zone cible. Analyse topographique terminée. Ah. Définir une route. Grâce à un travail de reconnaissance rigoureux, il est toujours possible de dégager une route sûre, et ce, peu importe l'environnement. Quand il pleut, quelle averse, j'espère que le terrain ne sera pas trop boueux, sinon je devrais aider les autres à nettoyer leurs bottes. Ça ne me laissera pas assez de temps pour cuisiner. Il pense même à la cuisine. Quand le tonnerre gronde, le tonnerre peut camoufler le bruit de nos mouvements. C'est notre ami. Ah oui, bonne idée. Quand il neige, la neige est très belle, mais elle m'empêche de distinguer les caractéristiques du terrain. Je n'apprécie pas. Et dire qu'il est cryo. Il fait bon dehors. Le soleil brille et nous donne une excellente visibilité. Toutes les conditions sont réunies pour une observation efficace. Que demander de plus? Le vent souffle fort. Cette brise, est-ce un signe de l'archon anémo ou un effet de la topographie sur l'atmosphère? Ou les deux? Au réveil. Oh bonjour, je vous ai préparé un petit déjeuner qu'on a l'habitude de manger dans l'unité d'expédition. Si ça vous dit, vous pourriez me parler de votre plan d'action pour aujourd'hui, pendant le repas. À l'heure du déjeuner. Une minute, j'ai bientôt terminé de préparer notre repas. La ration de terrain numéro 3, c'est la préférée de l'unité de reconnaissance. Je vais inspecter la zone à proximité encore une fois et trouver un endroit idéal pour une pause. Je me demande qu'est-ce que c'est la ration de terrain numéro 3. Le soir, le dîner est prêt. Ce ne sont que de rations assez rudimentaires. Mais elles satisferont vos besoins nutritionnels. Allez-y, servez-vous. Si vous avez de l'équipement à entretenir, vous pouvez me le confier. Et il fait en plus l'entretien de l'équipement. Il fait tout, ce Mika. La nuit. Il se fait tard. Je dois organiser les notes que j'ai prises aujourd'hui, lors de mon repérage. Les lits de camp ont été installés. Pourquoi ne pas vous reposer? Notre en-cas nocturne sera prêt après. Votre sieste. Puis on pourra échanger nos rôles. Donc il prépare aussi l'en-cas de minuit. Voilà.
À propos de Mika, travail. Quel est le travail d'un arpenteur? Mon devoir est de partir en reconnaissance quand un terrain inconnu se présente, afin de l'analyser et d'en identifier les lieux clés. Parfois, il m'arrive de tomber sur des ennemis. En plus de pouvoir dresser une carte de la zone, je dois donc être prêt à les affronter, être capable d'effectuer les gestes de premier secours et connaître des techniques de survie. À propos de Mika, frivolité. Installer un campement, allumer un feu, cuisiner des repas et entretenir l'équipement, ce sont des tâches essentielles. Si les autres réchignent à les faire, je les aiderai volontiers si je peux. Tout le monde est content de cette façon. Il aime que les gens sont contents. À propos de nos rumeurs. Désolé, quand je suis revenu à Mondastadt, on m'a tout raconté sur vous. Je pensais que des personnes aussi puissantes que Paimon puissante, et vous avez un code de conduite strict. Parfois, ce genre de personne peut être assez susceptible. Alors, je crains de les contrarier si je prononce un mot de travers. Heureusement pour moi, vous êtes très gentille. Je n'ai pas à m'en faire pour ça. Il considère Paimon qu'elle est forte. J'arrive pas à y croire. C'est la personne la plus faible, je pense. Elle arrive même pas à pêcher. C'est elle qui se fait pêcher. Bon, on continue. À propos de nous, langage codé. Certains soldats d'avant-garde utilisent le terme octave pour signaler qu'ils sont à court de munitions et qu'ils retournent au camp ou Vera pour indiquer que les conditions sont optimales pour affronter l'ennemi. Et si on inventait nos propres mots de code, ils nous seront utiles. Après tout, nous serons amenés à travailler ensemble pendant longtemps. J'écoute vos propositions. À propos de l'œil divin. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai reçu un œil divin. Il m'est d'une grande aide, mais je ne peux pas constamment faire appel à son pouvoir. Je le considère plutôt comme un dernier recours. Étant un membre de l'ordre de Favonus, le travail d'équipe est très important pour moi. J'ai donc tout intérêt à réfléchir à des moyens de surmonter les obstacles avec mes coéquipiers. Quelque chose à partager. Une petite astuce d'arpenteur qui pourrait vous servir. Étendez votre bras et levez votre pouce en direction de la zone cible. Alignez le champ de vision de votre œil droit et votre pouce sur la gauche de la cible, puis celui de votre œil gauche sur la droite de cette dernière. Est-ce que vous avez suivi ? Moi, pas du tout. Ensuite, multipliez la distance entre les deux côtés avec le bon facteur. Ça vous permettra d'estimer l'altitude d'une montagne et de savoir s'il est possible de l'escalader. Pareil avec la largeur d'une rivière et la possibilité de la traverser à la nage. Rare. Donc, si vous avez réussi à suivre et à faire exactement comme Mika l'a dit, bien vous pourrez faire de l'escalade ou nager dans une rivière. Super. Détail intéressant. Clé, m'a dit qu'il existait une plante capable de transmettre des sons. Si seulement je pouvais en emmener une avec moi en mission. Plus besoin de revenir pour faire mon rapport. Je pourrais rester près du front, tout en signalant aux forces à l'arrière de tirer leurs flèches sur les ennemis pour éliminer rapidement la menace. À propos de Keia. J'ai dû passer plusieurs examens avant de faire partie de l'ordre de Favonus. Le capitaine Keia était l'examinateur principal. Il a été encourageant avec moi et m'a donné beaucoup de conseils. Mais parfois, je ne comprenais pas vraiment ses paroles. J'avais peur de ne pas pouvoir suivre son rythme et de le décevoir. À propos de Varka, enseignement. Le grand maître Varka est un grand homme qui inspire le respect. Et il s'agit aussi de mon instructeur personnel en matière de combat. Il m'a appris à faire preuve d'agilité et d'éviter le combat rapproché pour compenser ma petite taille et mon manque d'endurance. J'ai donc appris à manier l'arme d'Ast et l'arbalète selon ses conseils. Ça me convient parfaitement. C'est donc pour ça qu'il utilise deux armes. À propos de Varka, capitaine, le grand maître
me disait de me fixer des objectifs plus ambitieux et de me démener pour les atteindre. Alors, Jid, j'ai rien compris à part qu'il cuisine bien et s'occupe des tâches ménagères. Oui, voilà, c'est comme Thomas, en fait. C'est un Thomas en cryo et plus petit. Bon, sauf que Thomas, il fait aussi de la couture. Bon, ça se trouve, peut-être que Mika aussi, il le sait. Et il le fait aussi. Bon, on verra. Alors, je continue. Le grand maître me disait de me fixer des objectifs plus ambitieux et de me démener pour les atteindre. C'est l'état d'esprit dans lequel j'étais. Mais je ne me rendais pas compte de la gravité que des événements pouvaient prendre avant de partir en expédition. Un jour, j'ai croisé le chemin de l'exécuteur des fatuis nommé Capitano. Je n'avais aucune idée de comment l'affronter. Un combattant aussi exceptionnel que lui est comme issu d'un autre monde. Je ne fais pas le poids. Il a donc vu Capitane. À propos de Jean, la vice-maîtresse, enfin la grande maîtresse suppléante, est une dirigeante attentionnée sur qui l'on peut compter. Elle prend soin de tout le monde. J'ai tellement à apprendre d'elle, que ce soit pour l'organisation du travail, les premiers secours ou la cuisine. Il apprend la cuisine avec Jean. À propos d'Amber. Amber, c'est l'éclaireuse la plus capable que je connaisse. Ses compétences en matière de reconnaissance sont excellentes. Nos postes sont similaires dans la façon que nous avons d'agir en amont des autres unités. Amber est très expérimentée. Elle m'a enseigné beaucoup de techniques de survie et d'entretien pour l'arc et les flèches de mon arbalète. Ah. À propos de la mission. La capitaine Eula est une combattante aguerrie, qui possède un style de combat unique. Elle a toujours veillé sur moi. Quand j'ai rejoint son unité, elle m'a attribué bien plus de tâches qu'aux autres membres et j'ai pu améliorer ma capacité d'adaptation en un rien de temps. C'est un plaisir de travailler avec elle, une fois qu'on s'habitue à sa façon de s'exprimer. Oh, ouais, il a raison. Donc à propos de la comportement. J'ai beaucoup d'admiration pour la capitaine Eula. Elle est amicale, franche et possède un mental d'acier. Je crois que je serais restée enfermée dans ma chambre si tout le monde me dévisageait et parlait derrière mon dos. Mais pas Eula. Elle va dire « c'est un affront !» À propos de Lisa. Lisa m'a toujours proposé son aide quand j'apprenais la cartographie en autodidacte. Elle m'a trouvé tout un tas de livres intéressants sur le sujet. J'aimerais bien être aussi érudit qu'elle. C'est toujours un avantage d'avoir des connaissances. Elle se révèle forcément utile un jour. À propos de Clé. Clé, c'est une petite boule d'énergie et j'ai même entendu dire qu'elle était aussi puissante que le grand maître. Sérieux. J'ai été conviée à quelques-unes de ses aventures auparavant. Et on s'est toujours amusé ensemble. Parfois, elle aime tester des armes dangereuses. Alors, je dois souvent revoir mes cartes. Mais ça en vaut la peine. Oui, parce qu'elle détruit tout. Du coup, il est obligé de refaire ses cartes. Ah, la sacrée clé. À propos de Venti. J'aime bien ce barde. C'est un artiste talentueux et sa musique me donne toujours ce sentiment d'être rentré chez moi. Je trouve que son œuvre représente bien mon Neustadt. Dommage que je ne sois pas souvent en ville. Je lui aurais apporté des cadeaux tous les jours. Alors, il suffit juste de lui donner des pommes et de l'alcool. Je pense que ça suffira largement. À propos d'Albedo. Albedo a toujours été très gentil avec moi. C'est lui qui m'a aidé à fabriquer tout l'équipement que j'utilise sur le terrain. J'ai même des stylos qui peuvent écrire quand je suis suspendu d'un arbre à l'envers. Par contre, je crois que le dessin de carte est assez différent du dessin artistique. J'ai essayé de faire quelques croquis d'une zone cible pour apporter des informations supplémentaires un jour. Et on raconte qu'Albedo est resté silencieux pendant un certain temps en les voyant. Qu'est-ce qu'il a vu ? Oh. Connaître Mika numéro 1. Alors, une bouteille, chaque jour pour Venti, il vaut mieux qu'il reste loin de Mondestadt, ce pauvre Mika. Pourquoi ? Je suis sûre que Venti pourrait boire chaque jour. Même plusieurs fois par jour.
Il carbure à ça, Venti. Bien sûr, il a l'âge pour boire, Venti. Contrairement à d'autres. Et oui, il a plus de 2500 ans. Alors, connaître Mika numéro 1. Vous voudriez en savoir plus à mon sujet. Je suis quelqu'un d'ordinaire, alors je n'ai rien de spécial à raconter. Peut-être que je pourrais vous parler de certaines situations que j'ai rencontrées auparavant. Enfin, si ça vous dit. Mika numéro 2. J'ai toujours voulu devenir cartographe depuis ma plus tendre enfance pour cartographier le moindre recoin de Teva. Alors Jid, tellement ordinaire que personne ne te joue. Oui, pourtant ils l'ont choisi. Pourquoi ? Je pensais vraiment qu'il allait faire partie... Ah oui, on peut... On veut un buff des dégâts physiques. Oui. Alors, j'ai toujours voulu devenir cartographe depuis ma plus tendre enfance pour cartographier le moindre recoin de Teva. Ce n'est que par la suite que j'ai découvert qu'un poste du même genre existait au sein de l'ordre Favonus. Grâce à l'aide de mon père et de mon frère aîné, j'ai réussi la sélection pour devenir arpenteur. C'est vraiment le travail de mes rêves. Il m'apporte beaucoup de joie. Est-ce qu'on va découvrir le père de Mika ? On sait déjà qui est son frère, si vous avez oublié. Mika numéro 3. Tous les membres de l'ordre Favonus sont des individus extraordinaires. Il y a forcément un enseignement que je peux tirer de chacun. Après avoir tant appris, je ne peux que les remercier en leur apportant mon aide autant que possible. Mika numéro 4. Certaines personnes me considèrent comme le messager du grand maître et de la capitaine Eula après m'avoir vu faire quelques courses pour eux deux. Une parole de travers et je les mets dans la mouise, en plus de devoir en assumer les conséquences. C'est pour cette raison que je ne me prononce que sur des sujets que je connais. Tout le monde a l'impression que je suis timide, mais c'est un gros malentendu. C'est parce qu'il cherche ses mots. C'est pour ça alors, je comprends mieux. Moi je le pensais aussi timide. Mais en fait, c'est juste parce qu'il réfléchit trop. Mika numéro 5. Depuis mon retour de l'expédition, je me sens plus serein. C'est une bonne chose. Ce que les autres peuvent penser de moi m'importe peu. Du moment que je ne pose de problème à personne, L'ordre de Favonus est ma seconde famille. Je dois faire en sorte d'assurer à mon poste pour que les autres puissent effectuer leur travail sans aucun problème et terminer leur journée l'esprit tranquille. Alors ensuite, les loisirs de Mika. Mes loisirs ? J'aime bien camper en territoire inconnu, admirer un paysage nouveau, installer un camp formidable, un camp confortable, allumer un feu et cuisiner un peu. C'est ça le vrai bonheur. C'est les choses simples donc. Les problèmes de Mika. À vrai dire, je ne suis pas très à l'aise quand il s'agit d'interagir avec des personnes que je ne connais pas. J'ai du mal à faire la conversation. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? C'est Lynx en fait. Lynx. C'est qui Lynx déjà ? Tu me parles d'un personnage de Star Rail peut-être ? Je ne sais pas. Ouais. Star Rail et donc. Alors attends, parce que je ne vois pas du tout c'est qui. Et comme je joue... Ah oui, la petite là. Ouais, j'avais oublié qu'elle s'appelait comme ça. Je vois. C'est vrai qu'il y a un air de famille. On dirait sa sœur. Donc elle a les mêmes passe-temps, donc. Plat préféré. Le grand maître estime que je dois manger plus de viande pour me permettre de gagner en force et en endurance. Je ne pense pas que cela me fera devenir très musclé. Mais j'aime bien les plats de viande. Mes collègues de l'unité de reconnaissance semblent également les apprécier. Alors du coup, Serval ou Jepar aussi sont ses frères et sœurs. Ouh, il doit y avoir sûrement un lien. Hein. Après, c'est un autre monde, donc ça se trouve peut-être que c'est un univers parallèle.
connaissant Genshin et les jeux de Yoverse, on ne sait pas. C'est encore un mystère, je dirais. Bon, après, on pourrait faire une discussion... on pourrait faire carrément un live pour parler des univers parallèles, des multiverses. Donc, c'est mieux de s'arrêter là. Alors, ensuite, plat détesté. Contrairement à mon frère, je ne supporte pas le goût de l'alcool. Une gorgée suffit à me faire perdre connaissance et à causer des ennuis aux autres. Rien que l'odeur qui se dégage d'une bouteille d'alcool fraîchement ouverte suffit à me donner le tournis. Ah bah du coup, il va pas pouvoir boire avec Venti. Cadeau reçu numéro 1. Alors Mika, le petit frère caché de la famille Lando. Ah oui, c'est vrai. Cadeau reçu numéro 1. Merci beaucoup, ce plat est une merveille. Je n'ose même pas le manger. Est-ce que je peux le garder pour l'exposer? Bon, tu le termines. On n'expose pas un plat. Cadeau reçu numéro 2. Il n'y a rien à dire, tant au niveau du goût que de la quantité. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Cadeau reçu numéro 3. Puisque vous avez préparé ce plat pour moi, je vous promets de le manger. Ah, est-ce que le plat serait mauvais ? Anniversaire. Que pourrions-nous faire pour célébrer cette occasion ? Aujourd'hui, c'est votre jour spécial. Nous devons le célébrer comme il se doit. J'ai préparé le guide des lieux les plus splendides de Mondstadt. Il y a des informations sur de nombreux endroits qui en valent le détour et que peu de gens connaissent. Je vous souhaite un quotidien rempli de bonheur jusqu'à ce que ce jour arrive à nouveau l'année prochaine. Oh, super! On va avoir plein de jours géniaux, toute l'année, n'est-ce pas? Affinité faible. J'ai encore un long chemin à faire pour vous arriver à la cheville. Mais j'ai un peu plus confiance en moi désormais. Au moins, je ne serai plus un fardeau pour vous. Affinité moyenne, j'espère pouvoir vous apporter davantage de renseignements utiles pour vous faciliter l'aventure. Affinité élevée. Permettez-moi de voyager à vos côtés et de découvrir le monde qui s'étend sous nos pieds ensemble. Affinité max. Merci du fond du cœur, je me rapproche de mon objectif. Permettre à tout le monde d'avancer en toute sécurité, sans se fatiguer ni se préoccuper des dangers potentiels. Et maintenant, les dialogues de combat. Compétence élémentaire numéro 1. Épinglage rapide. Ah, je vois. Numéro 2. L'attaque. C'est simple. Numéro 3. Abandonne. On va abandonner. Numéro 4. Tir de précision. Numéro 5. Désolé pour ça. Numéro 6. Élimination des menaces. Et ensuite, déchaînement élémentaire numéro 1. Allez, tous ensemble. Numéro 2. Je m'occupe des blessés. Numéro 3. Une ouverture. Utilisation de planeur. Je surveille d'en haut. Ouverture de coffre numéro 1. De nouvelles choses. Numéro 2. Du butin. Numéro 3. Un trésor. Bien joué tout le monde. PV faible numéro 1. C'est plutôt embêtant. Numéro 2. Faut-il changer de tactique? Numéro 3. L'ennemi est puissant. Compagnon avec PV faible 1. En arrière, je prends la suite. Numéro 2. Soins urgents requis. KO numéro 1. J'aurais dû passer sur le côté. Numéro 2. Désolé tout le monde. Numéro 3. C'est la fin, j'ai tout raté. Attaque légère subie. Numéro 1. Il faut s'accrocher. Numéro 2. Pas de problème. Attaque puissante subie. Même pas mal. Numéro 2. Du sang-froid. Ajout dans l'équipe numéro 1. Vérification du matériel. Tout est en place. Numéro 2. Lance et arbalète prêtes. Numéro 3. Je vais en reconnaissance. Et donc, c'était la dernière réplique.
Alors, vous avez pensé quoi des répliques de Mika? Ben, il n'a pas parlé de son père. Du coup, moi, je suis déçue, personnellement. Je voulais savoir qui était son père, vu que je sais qui est son frère. Qui ne lui ressemble pas du tout. C'est ça qui est bizarre. Alors que des personnages qui sont dans Star Rail ressemblent beaucoup plus à lui. Ils se seraient pas trompés, Genshin, quand ils ont créé Mika. Ils étaient en train de créer, du coup, le petit frère caché, hein? Alors, Jid, assez simple, je trouve. Le gars sympa touche tout, un 4 étoiles. Ouais. Alors, maintenant, on va passer à la lecture. Fable de Fontaine. Alors, je crois qu'il est vers là. Il est ici. Alors, ça part de renard, de ce que j'avais vu. Alors, Luma, il a voyagé entre les univers et a été adopté. Ouais, ça c'est le plus possible, je pense. Ça doit être ça. Ça peut pas être le frère du forgeron. C'est impossible. Ils se ressemblent pas du tout. Ils ont pas le même gabarit. Bon. Eh bien, on va donc commencer la lecture du bouquin à présent. Fable de Fontaine, tome 1. La fille et le soleil. La fille adoptive. Tiens, on parle d'adoption en plus. La fille adoptive de la renarde vint en âge de se marier, et son minois était aussi charmant qu'une source limpide. Elle était délicate et raffinée et ne souffrait nulle rivale. Ainsi, la renarde dit à sa fille: Ma fille, ma fille, me voilà déjà bien vieille, je ne pourrai bientôt plus m'occuper de toi comme jadis. Choisis donc un mari, tout serait honoré, ne te prendre. Tous seraient honorés de te prendre pour épouse. La fille répondit en ces termes: S'il doit être ainsi, mère, mariez-moi à l'être le plus puissant en ce monde. Ah, tu veux donc épouser le soleil? Répondit la renarde. Ô brillant soleil dans le ciel, tu seras donc mon gendre. Le soleil refusa en ces mots: Non, ces nuages-là sont bien plus puissants que moi, car ils peuvent obstruer mon éclat. Ainsi soit-il, nuages flottant dans le ciel, vous qui obstruez l'éclat du soleil, épousez donc ma fille. Impossible, le vent me repousse aisément, vous feriez mieux de lui confier votre fille. Mais le vent ne pouvait rien face aux montagnes, donc la renarde grimpa au sommet, et la montagne déclina à son tour, citant un conflit avec une souris. Cette souris, si elle le souhaitait, pouvait creuser un tunnel à travers la montagne. Elle était donc, à l'évidence, bien plus puissante que la montagne. N'est-ce pas? La souris recommanda le chat, qui parla du chien, qui parla du loup. Après avoir fait tout un tour de la sorte, la renarde se retrouva de nouveau face au soleil. Alors la jeune fille épousa le soleil. Ah là là. La morale de cette histoire est que l'on doit toujours se soumettre au destin plutôt que de trouver des excuses. Que l'on soit honnête ou rusé, personne ne peut échapper à son devoir. Ah. Ouais, elle est bien leur fable. Alors maintenant, le corbeau et la renarde. Ils adorent les renards, hein? Il était une fois un corbeau perché sur un arbre. Un morceau de fromage volé dans son bec. Voyant le corbeau, la renarde vivant sous l'arbre lève les yeux et dit: Écoute, mon ami, ce que vous tenez dans le bec n'est pas un festin alléchant, mais une source de malheur que toute personne sensée éviterait comme la peste. Votre gorge est bien trop petite pour ce fromage. Vous pourriez vous étouffer en l'avalant. Si les fromages de la ville vous ont laissé partir, si les fromagers de la ville vous ont laissé partir, c'est parce qu'ils le savent. Que pensez-vous qu'ils vous...
c'est parce qu'ils le savent. Ou pensez-vous qu'ils vous l'ont remis pour que vous le gardiez en lieu sûr ? Alors, c'est vraiment des fables de La Fontaine, en fait. Oui, le début commence bien. Le corbeau ne l'écoute que d'une oreille et garde le fromage dans son bec. Voyant que le corbeau ne réagit pas à ses paroles, la renarde reprend la parole. « Mon ami, ce fromage n'est pas digne de votre palais. Pensez-y, lorsque vous vous planiez librement entre montagne et forêt, avez-vous entendu parler de cette chose appelée fromage ? Si vous voulez mon avis, je dirais qu'une telle chose n'a jamais été faite pour que nous en profitions. Laissez-le pourrir dans les montagnes et se faire emporter jusqu'à la mer. Mieux vaut cela que de le laisser devenir une chaîne qui vous lie. Le corbeau secoue son plumage, mais garde fermement le fromage dans son bec. Voyant que le corbeau ne cède toujours pas, la renarde soupire. « Allez, mon ami, si vous voulez vraiment savourer le goût du fromage, moi, une simple renarde passant par ici, je ne vous arrêterai pas. Mais je crains que vous ne sachiez pas comment le préparer. Si vous deviez simplement l'avaler, ce serait gâcher un trésor inestimable comme celui-ci. Hélas ! Et ce serait aussi un tel gâchis de ne pas profiter de toutes les recettes de tout le continent que j'ai passé du temps à rassembler. » Ah oui, c'est vrai que c'est... Elle a des arguments, cette renarde. Désormais curieux, le corbeau ne peut s'empêcher d'ouvrir le bec. Et pourriez-vous m'apprendre une telle recette ? Alors même qu'il prononce ces mots, le corbeau laisse tomber le fromage. Ah mais c'est incroyable ! Sans se faire prier, la renarde s'en saisit et s'enfuit dans sa tanière. Cette histoire nous raconte comment ceux qui cherchent à découvrir des mystères qu'ils ne devraient pas connaître perdront tout, même ce qu'ils avaient déjà. On s'attendait à la fin. C'était évident qu'elle allait tout lui prendre. Le conte de l'âne. Même tirée à quatre épingles, une madame, tout le monde ne passera que très rarement... pour une mondaine. Bizarre comment elle est tirée. Comment elle est faite, la phrase. Bon, je vais redire depuis le début. Même tirée à quatre épingles, une madame, tout le monde ne passera que très rarement pour une mondaine. Tout le monde a des forces. Tout le monde a des forces et des faiblesses qui n'appartiennent qu'à eux. Ainsi, la seule voie à suivre est de se connaître et de faire face à ses propres défauts. Ne soyez pas le dindon de la farce comme l'âne de ce conte. Ayant appris comment la renarde s'était emparée du fromage, l'âne chercha à imiter sa ruse. Pourquoi tout le monde est-il comme ça ? La renarde n'est pas une génie. Pourquoi tout le monde chante ses louanges ? Est-ce que moi, l'âne, je ne travaille pas tous les jours ? Pourtant, personne ne prend la peine, ne serait-ce que de me saluer avec un sourire. Puisque c'est ainsi, je vais prendre exemple sur la renarde et faire comme elle. Ces petits tours seront les miens en un rien de temps. Alors imaginez le renard, le renard en dessous de l'arbre, remplacé par l'âne. Est-ce que ça aurait été pareil ? Je ne pense pas personnellement. Ainsi, l'âne se cacha dans les arbres et attend sa victime. Au passage de la fille du fromager, l'âne bondit. Et imitant la renarde, il leva un sabot et dit d'une voix suffisante. « Ah, écoute-moi, vous ne connaissez rien au voyage rapide. Votre chariot n'arrivera-t-il pas plus vite si vous jetiez tout votre fromage ?» D'abord surprise, la jeune femme se reprend et répond. « Espèce d'âne idiot, tu essayes de me faire marcher ? Donne-moi mon bâton, je ramène cette bête au moulin. » Voyant le bâton s'agiter, l'âne cesse aussitôt de parler. Ce conte explique comment essayer d'être quelqu'un d'autre en dissimulant sa propre identité. N'est en aucun cas bénéfique, en effet, cela ne fait qu'aggraver la situation. Oui, ça s'est retourné contre lui. Donc, c'était des histoires assez courtes quand même, hein. C'est des petits contes. Vous en avez pensé quoi de Fables de Fontaine ? Moi, je trouvais personnellement qu'il n'y en avait pas assez. Ça s'est lu très rapidement.
alors. Je réfléchis à ce que je pourrais faire maintenant. Alors, Jid, j'étais pas prêt pour le reboot du corbeau et du renard. Ah. T'étais pas prêt? C'était évident qu'ils allaient le faire, c'est la plus connue. Bon, bon, bon. Je réfléchis. Eh bien, je vais aller faire une escapade. Vu que en ce moment, au lieu de faire les quêtes, je fais ça. Alors, en ce moment, je fais celle de Thomas. Donc, je vais aller faire. C'est la dernière qui me reste à débloquer. Est-ce que ça vous va si je fais ça? Ça sera très rapide, à mon avis. Tu as fait l'event actuel? Toujours pas. Tu préfères que je lance ça plutôt? Tu vas me dire comme je veux. Je suis devenu devin. Tu l'as pour plus tard? Pas vraiment, hein, mais on peut faire ça à la place. C'est juste que je m'attendais pas à ce que le livre soit aussi court. Dans ce cas, on va faire plutôt l'event. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, par contre, l'escapade. Oui, je suis devenue devin. Non, mais c'est évident que vous préférez ne pas choisir. J'ai compris ça. C'est pour ça que j'utilise habituellement les sondages. On n'aime pas choisir. On est tous pareils. On préfère laisser le destin décider à notre place. Bon, alors, je vais du coup faire ça. Hop. Et on va remettre le son du jeu. Eh bien, c'est où déjà qu'il faut aller faire la quête? Alors, faut déjà que je la trouve. Ah, c'est celle-là. Bon, eh bien, c'est parti. J'y vais. J'étais pas allée à Liyue depuis qu'il y a le festival en plus. Ah, c'est ici. Ah tiens, il y a des connaissances. Keqing et Charlotte, je n'aurais jamais pensé vous voir toutes les deux ensemble. Moi aussi j'ai été surprise. Ryuman, Paimon, contente de vous revoir. Hihi, j'espère qu'on ne vous dérange pas. Pas du tout. Je n'étais pas en train d'interviewer Mademoiselle Keqing. Je discutais avec elle de l'achat d'un cerf-volant. Un cerf-volant? Vous voulez acheter un souvenir local avant de rentrer à Fontaine? Exactement. Et aussi... Vous n'en avez sûrement pas entendu parler, Paimon. Le thème du festival des lanternes de cette année est justement le cerf-volant. Pourquoi ils n'ont pas choisi dragon? C'est l'année du dragon! Oh! Bon. Oui, je suis frustrée. Oh, c'est pour ça qu'on en voit partout flotter dans le ciel. Le port de Liyue se développe sans cesse. Il est normal que le festival des lanternes change également. Ça aurait été tellement beau, un cerf-volant en forme de dragon. Les sept étoiles pensent qu'il serait bénéfique pour Liyue de s'appuyer sur ses propres fondations culturelles
en incorporant les technologies d'autres nations. Après tout, on dit que les pierres d'une autre montagne peuvent servir à mieux polir son propre jade. Est-ce que vous vous souvenez de ma réunion d'affaires avec la maigresse Ningguang la dernière fois que j'étais au port de Liyue? C'est de cela dont il s'agissait. Mais tout ce que j'ai fait, c'est utiliser mon réseau pour présenter mademoiselle Ningguang à des personnes intéressantes. Je ne suis pas sûre que ça compte vraiment dans le fait de favoriser la coopération. En fin de compte, nous avons décidé de combiner l'art traditionnel de la fabrication des cerfs-volants de Liyue avec le dispositif de levage vertical mécanique de fontaine. Un dispositif de levage mécanique, ça a l'air impressionnant. Mais le vent ne suffit-il pas à faire voler les cerfs-volants? Pourquoi on devrait ajouter quelque chose de mécanique? Eh bien, tu viens de répondre à ta propre question, Paimon. La hauteur de la distance d'un cerf-volant peut atteindre dépend autant des conditions météorologiques que de l'habilité de la personne qui tient la corde. Mais dès qu'il n'y a plus de vent, même les personnes les plus expérimentées ne peuvent que regarder leur cerf-volant retomber comme un médaka sucrant qui serait sorti de l'eau. Ah, une très belle image, je suppose. Exactement. Et puis maintenant, Liyue est une nation dirigée par les hommes. Il est temps pour nous de faire voler nos cerfs-volants par nos propres moyens. En outre, plus nous faciliterons l'expérience des participants, plus ils viendront essayer. C'est une bonne idée. N'est-ce pas? Je trouve que c'est une idée originale et qui ne coûte pas cher. Avec l'aide de mademoiselle Charlotte, tout se passe à merveille. Nos nouveaux cerfs-volants mécaniques sont déjà disponibles à l'achat sur un stand du port. Nous avons du mal à répondre à la demande. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein, j'aime bien le petit cerf-volant en forme de fleur mensongère. Il est rigolo celui-là. Nous avons également beaucoup réfléchi au prix. Nous ne voulions pas qu'il soit beaucoup plus cher que des cerfs-volants traditionnels. Super, Ketching, Charlotte et Ningguang, on dirait que vous adorez vous amuser avec des jouets, tout comme moi. Non, Paimon, il n'y a que toi. Des jouets, ce ne sont pas vraiment des jouets. Vous voyez, mademoiselle Ketching, c'est la première réaction que tout le monde, de tout le monde. Bien que les cerfs-volants soient l'un de nos plus anciens vestiges culturels, ils sont désormais considérés comme des jouets en dehors de leur utilisation dans le cadre cérémonial. Mais pour moi, il représente bien plus que cela. Pensez un instant à quel point il est remarquable qu'un cerf-volant en papier attaché à une ficelle ait la capacité de toucher le ciel. Ce fragile morceau de papier porte également le poids des traditions culturelles de Liyue. Un jour, j'ai lu un vieux poème qui disait « 1000 ans papier, sois le messager du voyageur esselé afin de le guider vers son foyer ». Dans le passé, les poètes de Liyue utilisaient les cerfs-volants pour symboliser le sentiment de nostalgie ou pour évoquer la tranquillité d'un paysage rural idyllique. Si les gens d'aujourd'hui peuvent tirer du plaisir de cette activité, ils seront non seulement plus enclins à apprécier la tradition, mais ils pourront également la transmettre aux générations futures. C'est bien la Ketching qu'on connaît. Toujours une longueur d'avance par rapport aux autres quand elle réfléchit. Bien dit, j'apprends beaucoup de choses grâce à vous. Tant que vous êtes partant pour m'écouter, ça me va très bien. J'en sais également beaucoup sur les différentes traditions folkloriques liées au cerf-volant. Par exemple, chaque fois qu'un cerf-volant s'envolait, les anciens disaient que c'était un adepte qui invoquait le vent pour l'emporter en tant qu'offrande. De cette façon, il est possible de transformer un fait malheureux en un événement propice. Est-ce que vous connaissez des anecdotes plus marrantes? Plus marrantes. Attends que je réfléchisse. Oh, nous pouvons parler de la façon dont les cerfs-volants sont fabriqués. C'est une autre forme de notre artisanat traditionnel et précieux. Alors Jid, je vais devoir me retirer. Hâte de voir la rediff pour constater tes exploits lors des mini-jeux. Ah,
Merci. Je vais faire de mon mieux. Bonne soirée, Jid. Merci d'être venu. Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'il était petit, les enfants apprenaient étape par étape l'art de la fabrication des cerfs-volants auprès de leurs aînés. Alors, je viens de me rappeler d'un truc. Voilà, le titre. Hop. Tout d'abord, il faut utiliser de fines bandes de bambou pour construire le cadre, puis dessiner le motif de son choix sur un morceau de papier pour le coller sur le cadre et l'attacher à une ficelle. Après, il faut regarder vers le ciel et lâcher le cerf-volant pour le voir planer parmi les nuages. Certaines personnes écrivent des noms ou des souhaits sur leur cerf-volant, coupant la ficelle qui les retient et les laisse s'envoler librement. D'autres donnent une signification particulière au motif qu'ils dessinent sur le morceau de papier. Alors ça veut dire que certains motifs ont une signification particulière. Je vais noter tout ça. Par exemple, les cerfs-volants en forme de papillon symbolisent généralement la liberté, le bonheur et le désir de s'affranchir. Oh, et mais encore, l'hirondelle d'Elanion est le modèle le plus classique. Il symbolise la bonne fortune et les bonnes nouvelles. Les différentes couleurs qu'il arbore peuvent également faire un peu varier sa signification. Est-ce qu'il s'agit de signification et de symboles compris de tous à Liwei? Un peu comme le langage des fleurs à Fontaine? Oui, j'avais oublié le langage des fleurs. Je pense que oui, la plupart des gens ont probablement entendu parler à un moment donné de la part de leurs aînés. Alors Luma, ça vient de me faire penser à un truc. Il y a de nouveau un event uniquement multijoueur? Pourquoi je déteste ça? Ah, c'est vrai. J'avais ou oui, je me rappelle qu'il y avait un event de ce genre-là. Mais je crois qu'il y en a un aussi, on peut le faire en solo. On va voir après. Mais je crois me rappeler qu'il y en a un aussi. Il y a un event multijoueur, mais qui peut se jouer aussi en solo. Après, je ne sais pas si on peut avoir toutes les récompenses en le faisant en solo. On verra. Alors, je pense que oui, la plupart des gens ont probablement entendu parler à un moment donné de la part de leurs aînés. Si ça vous intéresse, mademoiselle Charlotte, j'ai plusieurs livres sur le sujet à vous prêter. Ils pourraient être des références utiles. Ça m'intéresse beaucoup. C'est génial, on dirait que j'ai l'ébauche de mon prochain article sensationnel entre les mains. J'espère que tout ira pour le mieux. Allons faire un petit tour. Dans ce cas, je vais montrer à mademoiselle Charlotte où j'habite. Ah oui, j'ai failli oublier, le bureau des affaires civiles organise une compétition de cerfs-volants la nuit du Festival des Lanternes. Ryuman et Paimon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y participer. Les règles sont simples. Celui ou celle qui fera voler son cerf-volant le plus haut et le plus loin dans le temps imparti recevra des honneurs spéciaux ainsi qu'un prix mystère. J'ai préparé suffisamment de pellicules pour immortaliser l'événement. J'imagine déjà le spectacle que ce sera. On participera. S'il y a une récompense, comptez sur nous. Eh bien, j'attends avec impatience de voir de quoi vous êtes capable. Bien sûr, on se reverra le moment venu. Attends, Yoman, regarde discrètement sur ta droite. Est-ce que tu vois ces deux personnes là-bas? Oui, je les vois. C'est moi ou bien ils nous regardent parler avec Keqing et Xiao depuis tout à l'heure? Ils ont l'air vraiment louches. Alors, la présence d'une des sept étoiles attire l'attention. Ouais, ils sont un peu bizarres quand même, ces gars-là. Ça me rassure, je ne suis pas la seule à penser ça. Est-ce que tu penses que ce sont des pilleurs de trésors? Ils sont toujours là pour semer la pagaille durant le Festival des Lanternes. On ne devrait plus attendre passivement. Il faut qu'on frappe en premier et qu'on soit aussi rapide qu'une lame. Je vais par la gauche, tu vas par la droite. Non, mais elle est courageuse, Paimon, hein? Alors, Luma, oh, ça, c'était ma plus grande déception de l'event. Ah, je vois.
Je comprends un peu. Bon, eh ben moi je vais continuer la quête. C'est pas comme si j'essayais de fuir l'event, bien sûr, hein. Oh ho! Vous vous présentez à nous avec une attitude qui fait transparaître un sentiment d'urgence. Votre comportement laisse à penser que nous avons commis un délit. Pourriez-vous nous éclairer quant à vos intentions? Oh, vous parlez vraiment d'une manière compliquée. C'est trop compliqué pour la petite tête de Paimon. C'est plutôt vous qui devriez d'abord nous éclairer sur vos intentions. Ne croyez pas qu'on ignorait que vous nous écoutiez. Ça se voyait que vous prépariez un mauvais coup. Dites-nous tout, en commençant par votre nom. Je n'ai rien à vous cacher. Vous tenez devant Gravelune, l'adepte puissant et éclairé. Quoi? C'est Gravelune? Cependant, puisque je me trouve dans le monde des mortels, vous pouvez simplement m'appeler Ouzang. Vous vous moquez de nous? Ce cerf se donne des grands airs. Comment pourrait-il se rabaisser à venir au port de Liyue en personne? Oh, Paimon! Paimon, pourquoi tu dis ça? Tu devrais tenir ta langue, Paimon. Ne pensez pas que je vais vous croire simplement parce que vous connaissez mon nom. Laissez-moi deviner, vous êtes censé être Taïmon, c'est ça? En effet, Gravelune et moi-même sommes descendus dans le royaume des mortels pour visiter. Vous pouvez m'appeler J.U. On dirait que vous avez fait vos recherches sur eux. Mais d'après mon expérience, plus la ligne de la canne à pêche est longue, plus le poisson pêché est énorme. Pourquoi il nous parle de pêche? Je ne comprends pas. Ryuman, allons faire un rapport aux millilitres pour faire arrêter ces deux imposteurs pour usurpation d'identité. Mais c'est complètement absurde. Si vous pensez vraiment que vous prétendez être, pouvez-vous nous le prouver? Ah oui, c'est mieux. Exact! Dites-nous quelque chose que seul un adepte connaîtrait. Il vaudrait mieux que ça ne soit pas une information que n'importe qui dans la rue pourrait dire. Oh. Lors du dernier festival des lanternes, nous nous sommes réunis au mont Oulao avec le souverain de la roche et avons utilisé le cuiseur suprême de souffle nuage pour préparer une soupe de porc aux pousses de bambou. Peut-être que vous en souvenez-vous. La saveur de cette soupe était plus que suffisante pour me mettre en appétit. J'ai demandé à Souffle Nuage si je pouvais emprunter son appareil et si elle pouvait me procurer quelques recettes. Depuis, je m'adonne occasionnellement aux arts culinaires. Occasionnellement, lors de mon dernier séjour sur votre montagne, n'avez-vous pas tenté de dissimuler le cuiseur suprême derrière un morceau d'embrun ma présence fut remarquée. Alors Luma, tu comprends ma déception. Je m'attendais à une apparence plus détaillée, comme pour Souffle Nuage. Ouais, mais eux, ils vont pas être joués. Je suis un peu déçue quand même, mais... Bon. C'est juste deux PNJ. Oui, pour le moment. Mais j'imagine que Souffle Nuage, elle est plus vendeuse. Alors si un non plus, elle est pas jouable. Ne me parle pas de Signora. À chaque fois que je suis obligée d'aller dans son donjon, je me dis toujours « Pourquoi ? Mais pourquoi ? Juste une bosse !» Alors qu'elle est tellement bien. Bon. Je vais continuer. Hop. N'ai-je pas pris la parole en votre faveur à l'instant? Est-ce ainsi que vous récompensez cette gentillesse? Je souhaite simplement souligner la véracité de notre affirmation. Ce n'est pas nécessaire de divulguer ces affaires privées. On pourrait venir à penser que vous êtes semblable à Souffle Nuage. Laissez tomber. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ces futilités. Je pense que ce sont vraiment des adeptes. Pas besoin d'aller aussi loin dans les détails. Je n'aurais pas dû mettre en doute votre parole. Je suis désolée. Mais comme les adeptes sont très indulgents, j'espère que vous n'avez pas à m'en tenir rigueur.
Prenez ça comme un compliment sur la qualité de vos déguisements. Ne l'aurez pas remarqué. Vous avez l'esprit vif, Ruman. Rien d'étonnant à ce que le souffle nuage vous tienne en haute estime. Est-ce que je peux vous poser une autre question? En fait, c'est que je peux comprendre pourquoi Taïmon est ici, mais qu'en est-il de votre venue en ville, Grave Lune? Ce n'est pas vraiment votre truc, pas vrai? Cette éventualité est inévitable. What? Depuis que Souffle Nuage est au port de Liyue, les montagnes sont étrangement de plus en plus calmes. Donc ils s'emmerdent. C'est pour ça qu'ils sont là. Le festival des lanternes approchant, je pensais que Souffle Nuage nous aurait parlé des préparatifs de cette année. Elle ne s'est pourtant toujours pas manifestée à ce jour. Souffle Nuage n'est pas du genre à oublier. L'adage dit qu'il ne faut pas rester inactif face à la nécessité d'agir. Puisque beaucoup de nos connaissances résident désormais au port de Liyue, nous nous sommes rendus en ces lieux sous forme humaine pour bénéficier de leur aide et retrouver Souffle Nuage. Mais nous venons de vous entendre à l'instant parler d'une sorte de cerf-volant mécanique. Nous avons compris l'essence de la situation. Il est maintenant temps pour nous de regagner nos demeures. Oh, vous ne voulez plus retrouver Souffle Nuage? Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Compte tenu de son caractère, Souffle Nuage doit être consumé par la colère ces derniers temps. Souffle Nuage possède un tempérament fier et arrogant. Elle est convaincue que sa maîtrise en mécanique surpasse celle de tous les autres. Elle n'admettra pas si facilement l'ingéniosité de cette nouvelle technologie. Je suppose qu'elle doit s'être isolée en ce moment, refusant toute compagnie pour se plonger dans l'étude de ses propres créations. La déranger ne ferait que susciter des reproches de sa part. Mais si vos chemins se croisent dans les prochains jours, veuillez lui transmettre nos salutations. Bien entendu, on s'en occupe. Donc ils abandonnent. Oh là 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 là. Ils sont pas du tout courageux, ces deux-là. Eh bien, profitez des paysages sur le chemin du retour et joyeux festival des lanternes. Merci pour vos aimables paroles. Nous allons maintenant nous retirer. On s'est fait du souci pour rien alors qu'il s'agissait de personnes qu'on connaissait. Il est encore tôt. Profitons-en pour jeter un œil à l'étal des cerfs-volants. Je veux voir s'il y a un joli et grand cerf-volant que je pourrais utiliser pour la compétition. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cerf-volant? Bienvenue, vous venez pour acheter un cerf-volant? Voulez-vous que je vous présente brièvement les différents styles? Une hirondelle, des lanions, un papillon, oh, et ce motif de la chambre de Jeanne est une nouveauté. Il se vend très bien depuis 2 jours. Est-ce qu'il y a également une signification? Bien sûr! La chambre de Jade symbolise la richesse et l'abondance. Un cerf-volant arborant ce motif est censé apporter des richesses dans le futur. Oh, j'en veux un. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que toutes vos marchandises sont prêtes, mademoiselle Xinyan? Oui, je les ai posées là-bas. Il y a du papier, des bâtonnets de bambou, de la teinture, tout le matériel nécessaire à la fabrication des cerfs-volants. Très bien, je vais les emballer, puis demander à un mercenaire de les transporter au port Yilong. Le port Yilong? Je me demande à quoi ressemble cet endroit durant le festival des lanternes. J'aimerais aller y jeter un œil. Vous vous intéressez au port Yilong? Si vous comptez vous y rendre, pouvez-vous contacter Gaming pour transporter ce lot de marchandises ensemble? Est-ce que Gaming est le mercenaire dont vous venez de parler? Oui, le bureau des communications s'occupe principalement du transport et de la livraison à Liyue. L'agence de transport sécurisée est sous notre autorité.
Le problème est que pendant le Festival des Lanternes, beaucoup de mes collègues prennent congé pour rentrer chez eux et passer du temps avec leur famille. La main-d'œuvre portuaire a donc fortement diminué. Si vous êtes prête à me rendre ce service, je pourrais rencontrer mon prochain client plus tôt. À vous entendre, on dirait que vous êtes pressé. Bien, il faudra nous rémunérer. Eh oui, c'est évident, un dur labeur mérite d'être largement récompensé. Vu l'heure qu'il est, Gaming devrait se trouver à proximité. Continuez tout droit le long de la route principale et à droite sur le côté. Vous trouverez la tête d'une tenue de danse Wushu. Si vous souhaitez acheter un cerf-volant, revenez plus tard, je vous ferai une réduction. Oh, un cerf-volant. Moi, j'ai bien envie celui avec la fleur mensongère. J'aime bien ces petites bestioles. Surtout quand on les détruit. Je suis pas du tout sadique. Pas du tout. Attends, je pensais qu'on avait un accord. Un perdant devrait payer le humcha le lendemain matin. Si tu continues à tirer la tête, ton visage va rester coincé comme ça. Allez, ne sois pas triste. Tu peux m'inviter à boire, mais c'est moi qui paierai l'addition. Mais gamine, c'est toujours toi qui paies la note. T'es pas sérieux quand même. C'est pas que je suis mauvais perdant, c'est juste que je ne pensais pas que tu allais retourner la situation de cette manière. Mais ce n'était rien du tout. Ce jeu est simple comme bonjour. Parfait, voilà Gaming. Pardon de vous interrompre, Gaming. On vient de rencontrer quelqu'un qui travaille au bureau des communications et qui a besoin de vous pour livrer des marchandises au port Yelong. Alors Lima, tu pourras vraiment lui en acheter si tu reviens la voir après la quête, mais c'est pour la théière. Ah, bien! Super, merci pour l'info Lima. Je vais juste après la quête, je vais y aller. Oh, est-ce qu'il s'agit de Luzong? J'ai du travail, il faut que j'y aille. Vas-y, fais ce que tu dois faire. On se refera une partie quand tu seras de retour, mais cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Très bien, donnez-moi les marchandises. Est-ce qu'elles étaient lourdes à transporter? Laissez-moi vous en débarrasser. Ça allait, ce ne sont que des matériaux pour fabriquer des cerfs-volants. De toute façon, la route n'était pas très longue. Des matériaux pour des cerfs-volants, je vois. J'espère que ça ne vous a pas posé trop de problèmes, Paimon. Je vous revaudrai ça. Vous devez être Ruoman, ravi de faire votre connaissance. Merci pour votre aide. Vous nous connaissez? Mais oui, elles sont comme des rockstars dans tout Eva. Tout le monde les connaît. Ah, quasiment tout le monde à Niue sait qui vous êtes. J'ai entendu beaucoup d'histoires vous concernant. Vous êtes de vraies célébrités par ici. Oh, si Luzong n'a pas pris le temps de vous remercier, veuillez l'en excuser. Je le fais à sa place. C'est quelqu'un de très bien, mais il est très occupé ces jours-ci. Il court toujours partout. Ne soyez pas trop dur envers lui. Alors, vous venez pour le Festival des Lanternes? Tout à fait. C'est la période de l'année la plus animée. On aimerait vous accompagner au port Yolang pour voir comment les festivités se passent là-bas. Très bien, allons-y ensemble. Je connais très bien la route, suivez-moi et vous arriverez à bon port. On pourra se raconter des histoires, des blagues, discuter pour faire passer l'ennui, tout ce que vous voulez. Ah, il y a plusieurs bons restaurants sur la route, j'y vais souvent. Que diriez-vous de manger ensemble à l'heure du dîner? Les ingrédients qu'ils cuisinent sont frais. Les portions sont généreuses, leur qualité est bonne et le prix raisonnable. Je vous garantis que tout ce que vous commanderez sera délicieux. Vous nous le promettez? Tu en salives déjà à l'avance, Paimon. Pas besoin de dire des choses comme ça devant notre nouvelle amie. Ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait. Ça veut dire que nous nous entendons bien. Je plaisante aussi comme ça avec des amis. Est-ce que vous avez besoin de rassembler vos affaires? Je peux vous attendre. Non, pas la peine. On voyage tout le temps. Nos affaires sont déjà dans notre sac. Oui, sac. Il est où?
Ah, c'est vrai. Alors allons-y, s'il y a un danger, je pourrais vous protéger. Je suis un mercenaire après tout. Oh. Ok. Alors. Alors ça doit être les events. Alors les quêtes requises pour débloquer. Ah mince! Donc il y a des quêtes à faire. Ah là là, je comprends mieux. Ça va être très chiant. Bon, eh ben, ok. C'est juste un dialogue, les quêtes très rapides. Ah, ok. Du coup, je dois juste parler pour débloquer les quêtes, pour débloquer les trucs. Bon, eh bien, c'est parti. Alors, celui-là d'abord. Alors, ah, c'est de l'autre côté, je vois. Rond et soyeux, moelleux et souple. Oh, cher invité, bienvenue, je suis Wen Chu. Et permettez-moi d'être la première à vous souhaiter un joyeux festival des lanternes. Non, t'es pas la première, je pense. Joyeux festival des lanternes, Wen Chu. Vous étiez en train de parler toute seule à voix haute juste là. Non, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensiez à un délicieux dessert ou une nouvelle recette? Vous étiez presque. Je pensais à la nourriture que Goba et Yugui vont préparer. Oh, des noms familiers, vous les connaissez tous les deux? Eh, bien sûr, je suis une habituée du restaurant Wanmin, vous savez. Du moment que je ne suis pas en voyage ailleurs, je mange au moins 7 repas par semaine là-bas. Donc elle fait pas à manger chez elle. Lorsqu'on combine ça avec la cuisine de chez moi, légèrement assaisonnée ou très épicée, c'est de la pure bombe gustative. Ah, donc elle mange épicée. Si j'accumule trop de chaleur interne, je n'ai qu'à prendre les bons médicaments et c'est réglé. Après quelques jours de repos, je peux profiter à nouveau de toute cette bonne nourriture. Calmez-vous un peu, oui. Moi aussi j'ai envie d'essayer de vivre comme ça. Non, Paimon, ne vis pas dangereusement comme elle. Bref, je vois Goba et Xianling à peu près toutes les semaines. Et ça m'arrive même de croiser la petite Yao Yao parfois. Quand elle amène Yui Gui pour rendre visite à Xianling, Goba et Yui Gui jouent ensemble. C'est génial, peu importe à quel point je suis fatiguée par le travail, les regarder bouger chasse tous mes problèmes. Mais je ne peux pas être la seule à en profiter. Je veux que tout le monde, que tout, que, ah, je veux que le monde entier voit à quel point ils sont mignons. Eh ben, bien dit, c'est super important, mais comment vous allez faire? À moins que ces choses sur la table. Eh oui, j'ai fabriqué une scène de papier avec Goba et Yugui comme vedette. Toutes les choses que vous voyez sur ce stand sont des accessoires pour ça. Une scène de papier, ça me dit quelque chose, pas toi? Est-ce que ça concerne la toile derrière vous et les ombres qu'on y projette? Vous avez dû entendre parler des pièces de théâtre de papier, une forme d'art traditionnelle de Liyue. Des images et de la lumière suffisent pour donner vie à des scènes sur la toile. J'ai toujours adoré les pièces de théâtre de papier depuis ma plus tendre enfance.
Mais Ying Gong m'a aussi dispensé son enseignement. Hein? En grandissant, je suis devenue une peintre qui étudie et voyage aux quatre coins du monde. Quand j'étais à Fontaine, j'ai appris de nouvelles techniques de dessin et quelques trucs sur la réalisation de films. J'y ai trouvé beaucoup d'inspiration aussi. En me basant sur les nouvelles pièces de théâtre de papier, j'ai essayé de créer un nouveau jeu interactif. C'est ainsi que la scène de papier est née. La scène de papier et le théâtre de papier sont différents en matière de style. Les scènes de papier se focalisent sur des histoires courtes et simples qui font sourire le public. C'est pour cette raison que la première scène de papier de cette année racontera un récit adorable, Goba et Yugui qui partent à la recherche d'ingrédients pour cuisiner un délicieux plat ensemble. Goba et Yugui qui cuisinent ensemble, ça a l'air intéressant. Ça me parle. Je vois que vous êtes emballés par l'idée, je suis ravie. Il n'y a pas de temps à perdre. Détendez-vous et profitez de cette scène de papier. Je n'aurais jamais cru qu'on me dirait une telle chose un jour. Alors, appuyez sur les boutons et utilisez les touches directionnelles du clavier pour consommer des déplacements et guider Goba et Yugui. Maintenir un bouton ou une touche permet de se déplacer de façon continue. Le défi est considéré comme réussi une fois que tous les personnages du niveau ont atteint l'emplacement de l'ingrédient cible. Chaque déplacement du chariot de départ ou des boîtes du niveau est enregistré. Vous pouvez utiliser la fonction de restauration pour restaurer la disposition du niveau à l'étage précédent enregistré. Cette fonction peut être utilisée jusqu'à 3 fois d'affilée. Ok. Bon, pour moi, je vais juste débloquer les quêtes parce que c'est ça qui m'intéresse. Oui, j'adore lire. Alors, on va aller là. Donc ça c'est fait. Et ensuite la danse. Joyeux festival des lanternes. C'est vous les deux célébrités qui cherchez Gaming? On vous a déjà vu, vous étiez avec lui plus tôt, non? Ouais, vous vous souvenez de moi, j'en ai de la chance. On m'a dit que vous étiez les meilleurs et que vous pouviez tout faire. Je passe par la falaise Shiwu tous les jours pour faire des courses et j'entends tout le temps des gens chanter vos louanges sur la route. Oh oui, la crème de la crème Paman est la meilleure quand il s'agit de manger. Je suis douée pour d'autres choses aussi. Je me demande. Laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Tu vois, tu trouves pas. Je sais, ce n'est pas tout le monde qui peut flotter dans les airs. Tu es tellement blanche, légère et dufteuse, un peu comme un adepte pigeon. C'est déjà super de savoir voler. Enfin, ça doit être plus facile pour transporter des choses et faire toutes sortes d'activités. Tu devrais aider davantage ton ami. Tu es l'adepte pigeon Paimon. Oh, voilà un nouveau surnom. Je ne sais même pas si un pigeon peut se transformer en adepte, mais passons, j'ai toujours aidé Ryuman, moi. Si elle tombe d'un endroit en hauteur, je vais l'attraper pour amortir sa chute. Mais je ne suis pas très costaud. Costaude. Je ne savais pas comment on pouvait dire ça. Je ne suis pas très costaude. Pour que ça soit efficace, si j'étais un adepte pigeon, j'aurais donné un coup de pouce à Ryuman sur son planeur pour qu'elle vole plus loin. Vous manquez d'entraînement. Il faut vous entraîner aussi dur que Gaming et moi à la danse de Wushu. Plus vous le ferez et mieux vous travaillerez ensemble. Ce n'est pas si simple la coordination. Ça tombe bien, j'ai inventé un nouveau jeu. Il s'appelle « Allons en danse ». Alors on danse de Wushu. Alors on danse. Ah, ils sont partis très loin, hein ! Voulez-vous essayer ? Ça vous permettra d'améliorer votre travail d'équipe tout en vous familiarisant avec la danse de Wushu.
Alors on danse de Wushu, vous ne voulez pas parler de la grosse poupée qui se trouve à côté de vous, j'espère? Et si, la danse de Wushu dans sa forme la plus authentique est très difficile à apprendre. Même si un pro vous l'enseigne, vous n'arriverez pas à continuer sans passion et persévérance. J'ai modifié les règles d'un style de danse de Wushu, remplacé quelques accessoires et bam, le jeu est né. De plus, c'est le festival des lanternes, tout le monde peut y jouer pour ouvrir son appétit ou favoriser une bonne digestion. Enfilez votre tenue de danse et voyons qui arrivera à obtenir la plus grande galette de thé. Vous pouvez rebondir par ici, par-ci, par-là, à travers toute la boutique, c'est vraiment amusant. J'en doute pas, mais je ne crois pas être assez forte pour enfiler cette grande tenue pour jouer. Mais Ryoman est doué à ce genre de jeu. Je vais rester sur le côté pour observer d'abord. C'est parti. Oh, tu ne participes pas, l'adepte pigeon. Dommage. Ce n'est pas grave. Avec Ryoman, on va voyager encore longtemps ensemble. Il y aura plein d'autres occasions pour nous d'améliorer notre travail d'équipe. Et qui sait, peut-être qu'observer Ryoman me permettra d'apprendre un truc ou deux. Vous vous entendez tellement bien que je commence à être un peu jaloux. Bon, c'est par ici, mademoiselle la grande célébrité va se lancer dans Alors on danse de Wushu. Prends-en de la graine, l'adepte pigeon. Alors, dans le thème bête joyeuse et leur augure, vous devez atteindre les objectifs des niveaux dans le temps imparti et marquer le plus de points possible. Vous pouvez cliquer pour utiliser votre compétence et enfiler une tenue de danseuse Wushu afin d'entrer dans l'état plaquage de Wushu et de repousser les autres participants que vous touchez. Lorsque deux personnes en état plaquage de Wushu se touchent, leur éclat s'annule automatiquement. Le thème bête joyeuse et leur augure proposent trois niveaux que les joueurs peuvent choisir. Les différents modes et règles des niveaux peuvent être consultés dans les détails. Le thème bête joyeuse et leur augure proposent deux modes de jeu. Vous pouvez inviter plusieurs équipiers pour jouer en multijoueur ou trouver d'autres joueurs grâce au multijoueur du coup. Quatre participants sont requis pour activer le thème bête joyeuse et leur augure. Donc voilà. Ça, c'est fait. Et le dernier, disponible après avoir terminé l'Orio du temps augure du firmament. Alors, est-ce que ça, je peux le faire maintenant? Oui, allez, on y va. Ah là là, ça prend du temps. Attends. Ah, j'ai cru un moment qu'il s'était retrouvé complètement sous l'eau. Mais non, c'est bon. Ah. Ah, mais je ne savais pas qu'on allait avoir des ennemis là. Merci.
On ne peut vraiment aller nulle part sans tomber sur des pilleurs de trésors. Ce n'est pas rare de rencontrer des bandits sur les grands axes de livraison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de nous, les mercenaires. Je suis impressionnée par vos mouvements, vous êtes vraiment un pro. Oh, ça ne vient pas de mon travail, c'est juste un passe-temps. Avez-vous déjà entendu parler de la danse de Wushu? Pas du tout, je ne pense pas. Non, sérieusement, c'est très populaire au vallon de Shenyu. Des danseurs spécialisés dans cet art peuvent être invités par des commerçants qui veulent promouvoir l'ouverture de leur boutique ou encore pour attirer la bonne fortune durant les fêtes. Mais bon, ce n'est pas aussi populaire que l'opéra de Liyue. Je suis conscient qu'au port de Liyue, peu de gens s'intéressent à la danse de Wushu. C'est pourquoi je ne pratique pas cette activité à plein temps. Vous avez aussi un autre travail? D'où vous vient toute cette énergie, gaming? Ce n'est pas aussi fatigant qu'on pourrait le croire, il suffit de se reposer. Je comprends mieux, vous devez sûrement avoir de bonnes habitudes de sommeil. Pas vraiment, encore hier j'ai joué aux cartes toute la nuit. Oh, allons-y, les quais sont droit devant, suivez-moi. Alors, Gamine s'avance et discute avec le batelier qui se reposait près des quais. En un clin d'œil, il invite tout le monde à monter sur le bateau en bambou. Sur le radeau en bambou. Enfin, on va pouvoir se reposer. Mes épaules sont raides et mon estomac vide. Désolé, je marchais trop vite. Vous avez pourtant dit que vous voyagez tout le temps. C'est parce qu'il y a beaucoup de routes montagneuses à Liyue et que voler est vraiment fatigant. Je me sentais enfin rassasié et voilà que j'ai à nouveau faim. Vous voulez manger du gâteau au melon? J'en ai acheté dans une boutique, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'en veux, je prends tout ce que vous avez. Vous êtes si affamé que ça, vous ne pourrez plus manger le dîner si vous avez le ventre plein. Non, Paimon va s'en occuper aussi. Je ne suis jamais rassasié. C'est comme si vous aviez de l'énergie à revendre de manière innée. Que vous pouviez marcher des kilomètres ou travailler des journées. Ah, pourquoi ça s'est avancé tout seul? Je n'ai même pas appuyé sur quoi que ce soit. Alors, je vois que vous voulez... Ouais, ça le fait tout seul. Ah, c'est parce que... J'avais peut-être mis ça en automatique. Ou pas? Non. Alors, Gaïn semble être quelqu'un de très sociable. Il peut parler à tout le monde et traiter tous, chacun, comme son ami. Avec cette odeur sucrée, j'ai bien cru que j'allais mourir de faim. Vous n'exagérez pas un peu? Paimon exagère toujours. Je mange du gâteau au melon depuis que je suis petit. De nombreux magasins en préparent, les étals de rue jusqu'au grand restaurant de la ville. Mais chacun d'entre eux offre une saveur subtile différente. Si ça vous plaît, je retrouverai l'adresse de la boutique où je les ai achetés quand je rentrerai pour vous la donner. Ah, je parle tellement que je dois vous empêcher d'admirer le paysage. N'hésitez pas à me dire si je suis trop bruyant, pas de chichi entre nous. Aucun problème, c'est plutôt amusant d'écouter vos bavardages. Vous êtes de bonne humeur quand vous avez le ventre plein, pas vrai? Je ne suis pas de bonne humeur uniquement pour ça. Petit à petit, vous vous perdez dans la beauté des paysages environnants, avant de vous rendre compte que vous êtes ébloui par le quai du port Yilung. Oh, on est arrivé. N'oubliez pas vos affaires et faites attention à où vous marchez en descendant du radeau pour ne pas tomber à l'eau. Merci pour tout, oncle Bozu. Prenez soin de vous, on se reverra la prochaine fois. Suivez-moi, ce chemin est le plus rapide. L'agence du transport sécurisé est juste au-dessus, il suffit de prendre l'ascenseur.
Oh, c'est vraiment sympa, hein. J'adore ces fleurs, elles sont trop jolies. Ah! Il m'a eu! Pourquoi il est monté? Bon, bah je suis obligée d'attendre. Ah, si bien, super, il arrive. Bah, je vais peut-être rajouter Gaming dans mon équipe. Vu qu'il y a lui. Alors. Bon, après le mien, il est pas très monté. Oh! Ah tiens, un coffre. On va le prendre. Oh! Personne ne tentera quoi que ce soit dans une rue aussi bondée que celle-ci, pas vrai? Alors, comment dire? Allez, crachez le morceau. Est-ce que vous voyez ce groupe de personnes là-bas? Ils sont de ma famille. Oh, vous venez d'une famille nombreuse? Une fois qu'ils commencent à acheter des choses, ils ne s'arrêtent que quand la nuit tombe, ça s'annonce mal. Ils font partie de votre famille, ce ne sont pas vos ennemis. De quoi avez-vous peur? Ne me dites pas que vous leur avez fait des choses horribles. Qu'est-ce que vous racontez? C'est juste que je ne suis pas très douée avec ma famille. C'est mieux pour tout le monde si je peux les éviter. Je vous expliquerai tout quand j'en aurai l'occasion, mais on a d'abord un travail à finir. On peut simplement les contourner. Il y a beaucoup de monde à gauche. Doucement mais sûrement. Attention ici, peut-être que ma tante va partir. Elle est partie, allons-y. Tournons à gauche. Tournons à droite. Ah, c'est Pierre. Vous êtes doué, je suis admiratif. C'était du gâteau pour nous. Du gâteau au melon, si j'ose dire. Vous aimez vraiment ça, on dirait. Je vais vous en acheter une montagne de gâteaux au melon pour vous placer au milieu. Tant que ma tête dépasse... J'imagine la scène, la montagne de gâteaux avec la tête de Paimon en haut. Oncle Zigui, je suis là, voici mes deux amis Ryan et Paimon. Elles sont venues livrer les marchandises avec moi. Alors je dépose tout ça chez oncle Ongzan, c'est ça? Oui, merci pour ton travail.
Merci également à vous deux pour votre travail acharné. Je vais préparer du thé. Asseyez-vous pour vous reposer un peu, d'accord? Ce n'est pas nécessaire, on va bientôt partir. Allez, asseyez-vous, il n'y a pas de mal. Le zanglo de notre agence de transport sécurisé est authentique. Je vous promets qu'une seule gorgée vous rendra accro. Oncle Zigui, asseyez-vous aussi et détendez-vous. Quel genre de personne serais-je si je vous laissais vous plier en quatre pour nous? Laissez-moi faire. De toute façon, je suis debout et je dois déposer les marchandises. Je peux m'en occuper et ça sera fait en un rien de temps. Ryuman, vous n'êtes pas difficile, pas vrai? Paimon préfère quand c'est sucré, alors je ne ferai pas infuser le thé trop longtemps. On pourra ajouter deux gâteaux pour l'accompagner. Oh, vous vous souvenez de mes goûts? C'était facile, vu comment elle disait que les gâteaux, elle adorait. Depuis combien de temps connaissez-vous Gaming? Depuis peu. On vient tout juste de faire sa connaissance sur le chemin jusqu'au port Yilong. C'est quelqu'un de très chaleureux. On est rapidement devenus amis. Ah, il est comme ça. Il est très attentif et sait comment s'occuper de ses proches. Il y a quelque temps, un de nos mercenaires a dû s'absenter de son travail. Il a dit que ses articulations lui faisaient mal à cause de la pluie. Gaming s'est personnellement rendu jusqu'au cottage Bubu pour obtenir des médicaments auprès de Monsieur Beizou. Puis a fait le voyage de retour de nuit pour le lieu apporter. Ce jeune homme a vraiment la tête sur les épaules. Comment pourrait-on ne pas l'apprécier? Il n'y a qu'avec sa famille que... Oncle Yozong dit que pour le moment, il n'a personne pour effectuer cette livraison. Qu'en pensez-vous, oncle Zigui? Dois-je livrer moi-même les marchandises? On t'a suffisamment demandé aujourd'hui. Ce sont des matériaux pour fabriquer des cerfs-volants. Peut-être que c'est destiné à des enfants. Je suis sûr que l'expéditeur veut que ça soit livré avant le festival des lanternes. Oh, prenez une gorgée de thé. L'arôme rafraîchissant et le goût persistant de Zongon, et on ne saura pas la suite. Très bien, livrez-les si tu le souhaites. Êtes-vous libre dans les deux jours? Que diriez-vous d'aller prendre un Yumcha au Kyox Xingyue? C'est moi qui vous invite. Oh, quelle générosité! Ce n'est rien, je vous ai causé beaucoup d'ennuis après tout. Et en plus, il y a ce qui se passe entre moi et ma famille. C'est une longue histoire. Ça pourrait prendre un certain temps pour tout vous raconter. Ah là là, j'ai déjà mal à la gorge. Très bien, je ne peux pas refuser de la nourriture gratuite. Alors on se verra au kiosque Xingyue. Ça marche, je dois y aller. On se voit dans deux jours. Ne mangez pas trop, Paimon, je vous aurais prévenu. Est-ce qu'il me sous-estime? Je vais lui montrer tout ce que je peux manger. Ok, mais c'était pas un concours, hein? En parlant de ça, c'est vrai que la situation familiale de Gaming semble compliquée. C'est quelqu'un de tellement joyeux et en plus c'est un travailleur enthousiaste et assidu. C'est difficile d'imaginer quelqu'un comme lui être dérangé par ce genre de choses. Par où commencer? Puisqu'il a l'intention de vous en parler, vous n'avez pas besoin qu'un vieil homme comme moi ajoute son grain de sel. Vous semblez avoir à peu près le même âge que lui. Vous avez donc peut-être beaucoup de points en commun. Peut-être que vous pourrez l'aider à s'exprimer sur le sujet. Considérez cela comme une faveur que vous me rendez, d'accord? Je vais essayer. Si vous avez du temps, vous pourriez peut-être fabriquer un petit drapeau qu'on pourrait agiter. On pourrait inscrire dessus « Aider les autres est un plaisir ». Eh bien, je peux certainement vous faire ça. Y a-t-il autre chose que vous voudriez inscrire? Vous êtes sérieux? C'était juste une blague? Haha, vous me prenez le même ton que Gaming. Il reste du thé, est-ce que vous en voulez encore? Non merci, on a fait tout ce chemin mais on n'a toujours pas eu l'occasion de faire un tour des quais. On a juste évité la famille de Gaming. Il y a peut-être des cerfs-volants différents de ceux du port de Liyue. Ce n'est pas une mauvaise idée. Très bien, faites comme vous voulez. Si vous voulez du thé, dites-le moi. Si vous avez besoin de vous reposer, vous pouvez rester ici tant que vous le voulez. Ok. Ah, là, on a... On l'appelle Flèche Perce-Nuage. Ok, bon, un jour ou l'autre, je lui parlerai.
Alors. Qu'est-ce que vous faites ici? À vous entendre, il semblerait que vous ne soyez pas satisfaite de ma présence. Bonjour, Kyung-yoon. Vous devriez prendre en compte le respect dont votre compagnon fait preuve à mon égard. Vous pourriez apprendre une chose ou deux. Encore cette histoire d'aîné. Vous n'êtes pas censé être tapis dans votre demeure à étudier un mécanisme en rapport avec les cerfs-volants. Qu'est-ce que vous faites loin de chez vous? Et pourquoi il y a une énorme boîte à vos côtés? Ah, vous êtes en train de faire vos courses? Qu'est-ce que cela pourrait bien faire? La décision des 7 étoiles d'intégrer de la technologie fontainoise dans la compétition des cerfs-volants ne concerne pas ma personne. Pensez-vous que je cherche à rivaliser avec les fantaisies de ce monde ou même à ce que je me renfrogne à cet égard? Bah tes amis, eux, ils l'ont pensé. Ce n'est pas ce que je pense, c'est Taïmon et Gravelune qui me l'ont dit. Ils se sont d'ailleurs donné des noms imprononçables et pas du tout faciles à retenir. Quoi qu'il en soit, ces deux-là sont venus en ville pour vous voir et nous ont demandé de vous saluer de leur part. Kyung-yoon, ne me dites pas que le temps semble s'être très vite écoulé depuis mon arrivée au port de Liyue. Comment ai-je pu oublier ces deux fossiles? Ces deux fossiles? Elle les a oubliés! Il faudrait leur apporter des herbes divines pour expier cet affront. Non, étant donné que je me suis aventurée jusqu'au port Yelong, du thé serait plus judicieux. Une pensée vient d'illuminer mon esprit. Je dois encore procéder à quelques achats. Peut-être pouvez-vous attendre ici un instant, le temps que je revienne. Eh, attends. Attendre? Vous voulez nous laisser ici pour qu'on surveille vos affaires? Cette femme va et vient comme le vent, en toute liberté. Paimon, je te laisse t'occuper de la surveillance de la boîte. Ne commence pas à me laisser tomber. Reviens vite, j'ai peur que quelqu'un essaye de voler ces choses. Que quelqu'un, plutôt. Bienvenue, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Nous vendons le meilleur cinglot en provenant direct du village Kyaing. Est-ce que cela vous intéresse? Ça a l'air prometteur. Je pourrais en rapporter aux deux fossiles et tout ira bien. Je vais en prendre 2 boîtes. Excellent! Nous proposons une réduction durant le festival des lanternes. 10% de réduction pour 3 boîtes achetées et 20% de réduction pour 4 boîtes. 20% de réduction pour 4 boîtes, c'est une bonne affaire. Je pourrais aussi en offrir au souverain de la Roche et à Madame Pink. Donnez-moi 4 boîtes. C'est pour offrir? Dans ce cas, pourquoi ne pas acheter ce magnifique coffret cadeau? Pour 10 boîtes achetées, vous les obtenez à moitié prix. Oh là là là, il va vraiment l'arnaquer? Regardez comme il est beau, j'ai ajouté un ruban rouge pour qu'il corresponde au thème festif. C'est un cadeau parfait pour de la famille ou des amis. 10 boîtes, cela semble un peu excessif, mais si je compte le dompteur de démons et mes apprentis dans le lot... 10, c'est un nombre qui porte chance, vous ne trouvez pas? Je peux même encore vous faire un prix. Cela me convient, je vais les acheter. Très bien, parfait. Vous avez l'œil pour les belles choses. Peut-être que les autres articles pourraient vous intéresser. Ah là là, elle s'est fait avoir. Elle va se faire encore avoir. Je suis un marchand de jouets originaire de Fontaine. Tous les jouets que je vends sont mécaniques. Ils sont amusants et très élégants. Peut-être pourriez-vous alors m'éclairer. En quoi sont-ils amusants? Eh bien, il faut jouer avec eux pour le comprendre. Attendez, je vais vous montrer. Et
parce qu'elle nous a sentis. Ce ne sera pas la peine. Mademoiselle, donnez-moi votre modèle le plus récent et le plus raffiné. Assurez-vous de l'emballer convenablement. Bien sûr, tenez. Et la notice se trouve... Ça ira, merci. De nombreux regards vigilants surveillent cet endroit. Si j'étais prise en flagrant délit d'achat d'un jouet mécanique comme celui-ci, qui plus est destiné aux enfants, cela ferait un scandale. Oh, mais il n'y a pas de mal à l'emporter pour l'étudier en toute discrétion. Oui, le pauvre, il comprend pas. Je ferais mieux de m'en aller avant que Qian Yun ne me remarque. Qian Yun, vous avez pu faire vos achats sans problème ? Naturellement, je n'apprécie peut-être guère les interactions sociales, mais cela ne signifie pas que j'ignore comment m'y prendre. Qian Yun semble se laisser facilement convaincre quand il s'agit d'acheter quelque chose. Cette boîte est pleine à craquer. Et vous deux, n'êtes-vous pas ici pour vous procurer, pour procéder à des achats? On n'en a pas encore eu le temps. On dirait qu'il n'y a pas d'étal de cerf-volant aux alentours du port Yolong. Mais il y a beaucoup de marchandises en provenance de Fontaine. Vous envisagez également de participer à la compétition de cerf-volant? Également? Je veux dire, avec tous les autres jeunes gens. On m'a supplié de partager mon expertise en matière de fabrication de cerfs-volants et en effet, je ne pouvais pas faire grand-chose face à toutes ces doléances, dont certaines étaient enthousiastes et sérieuses alors que d'autres étaient plaintives. J'ai donc pas eu d'autre choix que d'organiser un atelier de confection de cerfs-volants, afin d'enseigner à tout le monde les méthodes pour en fabriquer. Oh ! Et qui va participer à cet atelier ? Shiyu, Shen-He, Ganyu et aussi Yao Yao. Oh, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est bien beau tout ça, Qian Yun. Mais si vous souhaitez participer à cette compétition, vous pouvez tout simplement acheter un cerf-volant prêt à l'emploi. Ah, vous parlez de ces cerfs-volants équipés de ce dispositif de levage vertical mécanique. Ce n'est qu'un mécanisme rudimentaire conçu par de simples mortels. Le mécanisme que j'ai développé est le fruit de millénaires d'études approfondies. Je ne parle pas de la source de la puissance de ce dernier, mais plutôt de sa structure. Le matériau structurel que j'utilise est aussi léger que le bambou et aussi résistant que le fer. Il peut être projeté dans le ciel et parcourir de longues distances grâce au vent. Sa structure suit un modèle de tiges entrecroisées. De toute façon, je crains que vous ne compreniez pas un mot de tout ce que je vous dis. De plus, ce serait un gaspillage de mes paroles. Oh. On dirait au contraire que vous avez envie de parler de ça depuis un moment. Dans ce cas, est-ce que vous souhaitez prendre part à l'atelier? Attendez, vous essayez de nous inviter depuis tout ce temps? Ça m'intéresse. Très bien. Ne vous embêtez pas avec la préparation des matériaux. Je m'en occuperai. Retrouvons-nous dans 2 jours. Je vous attendrai l'après-midi au mont Aozang. Vous partez? Vous trimballez cette grosse caisse. Pourquoi n'appelez-vous pas des mercenaires pour vous aider à la transporter? Ridicule. Je peux aller et venir comme bon me semble. Pourquoi m'en remettre aux autres? Oh, elle vole! Cette caisse, elle flotte toute seule! Qu'est-ce que c'est encore cette invention? J'appelle cela le transporteur lévitant. Elle a plutôt l'air satisfaite d'elle-même. Elle marche avec beaucoup de grâce, mais les passants autour d'elle la regardent bizarrement. Enfin, peu importe. Ryoman, il y a des tas d'objets mécaniques dans cette grosse boîte, mais quoi exactement? Je ne voulais pas regarder dedans, mais j'ai accidentellement heurté la broderie sur la partie supérieure en volant. Les objets à l'intérieur ont failli sortir en faisant beaucoup de bruit. J'ai fait de mon mieux pour qu'ils restent dans leur boîte. Franchement, Paimon. Qing Yun essaie toujours de garder la face. Elle parlait de mécanismes rudimentaires. Elle en a sûrement acheté quelques-uns pour tenter de les démonter chez elle et voir comment ça marche. C'est logique venant d'elle.
Oui, mais il vaudrait mieux faire semblant de ne rien savoir pour ne pas la vexer. C'est comme ça qu'on respecte ses aînés, non? Ouais. Donc elle aussi, c'est dans 2 jours. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là. C'est mieux. Bon. Eh bien, c'était intéressant comme quête. J'ai pas encore pu tester les jeux. Peut-être la semaine prochaine, je les testerai. Bon. Eh bien, du coup, on va se dire au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne soirée aussi. Luma, merci de m'avoir accompagnée. Du coup, bonne chance pour les prochains qui feront des invocations. Et à la semaine prochaine. Bye bye!